PEGI 18. Eh bien, salut à toutes et à tous, la même compagnie. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, les amis. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour le troisième épisode de notre aventure sur Battlefield Hardline. Un petit récapitulatif des deux premiers épisodes, ou du moins des trois premiers épisodes, plus le prologue. Bon, on avait le prologue ici, où justement on jouait avec cet homme, donc nous on est ici Mentosa, et on était collègue avec Stewart, me semble-t-il. Bon, jusqu'ici tout va bien, on a à peu près, non pas appris à le connaître, mais voilà, c'était un chic collègue, voilà pour le prologue. Ensuite on a eu le premier épisode où on a fait équipe avec Madame Kai Lara Kai. On avait trouvé tous les indices, on avait pu retrouver, menoter les suspects, il n'y en avait qu'un seul. Pour l'épisode 2, voilà, comme ça on le voit. Je n'ai trouvé que 2 indices sur 6 malheureusement. C'est vrai que l'épisode 2 a été compliqué. Hein. On a eu Rosado Javier, mais Volker Gary, on l'a tué manifestement, je m'en rends compte. Et puis le troisième épisode où on a arrêté absolument tout le monde, où on a trouvé 7 indices sur 12 mine de rien, mais surtout on aura appris que lui, c'est un pourri. Voilà, épisode 4. Il n'y a pas de doute sur le fait que l'inspecteur Karl Stoddart est pourri. Voilà, mais impossible de savoir qui d'autre est dans le coup et qui couvre son cul. Même si on va pas se mentir que Madame Kai, elle a pas dit non au billet que Stoddart lui a donné. Donc voilà, attention, à mon avis, ça risque de faire une petite scène de ménage dans la voiture pour ce début d'épisode. Évidemment, n'oubliez pas le pouce bleu. On a 4 sujets à trouver, 10 indices à trouver. C'est parti, les amis. On se met très très bien. Précédemment, dans Hardline. Les avions volent, les drogues tombent. Qui a monté l'opération? Un connard du nom de Rémi Nelt. Nelt, baissez votre arme! J'ai accepté son offre. Vous, Stoddart, prenez tout. Il venait de se rendre! Nick, laisse tomber. Avant qu'on coordonne la zone. Oui, votre honneur. Je m'inscris en faux contre votre évaluation basique des faits. Mais je comprends. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. C'était l'honorable Naomi Kushner. Que pense-t-on de la juge Kushner dans les parages? Pourrie de gauche. Son Altesse ne me donnera pas de mandat de perquisition pour certains associés de Neltz. Ah, ce n'est pas grave. En temps de guerre, on se conforme aux règles? Capitaine Dawes. Nous trois, on forme un conseil tribal. Et j'ai conscience que dans notre tribu, certains membres posent problème. Il n'a pas pris l'argent. C'était une épreuve. Il fallait que je sache si t'étais fiable. Depuis le tout début, ta partenaire me soutient, Koui. Oh putain! Bon. Si je comprends bien, Neltz a parlé d'un deal avec Stoddart. C'est ça. Sucez cet homme! Alors retournez au bureau de Neltz et trouvez-moi du concret que je saisisse les affaires internes. Je sais qu'un ouragan approche, inspecteur. Mais le temps presse. Oui, chef. Bon bah j'ai rien dit, le chef il est trop bien en fait. Et madame aussi, madame Kai elle est géniale. Incroyable. Incroyable mais vrai, tout va bien. Allez, ça régale. Bordel. Ah oui, il y a du vent, hein, ça souffle. Les experts ont déjà enquêté, mais qu'est-ce qu'on fout là? Ils venaient pas chercher des preuves contre Stoddart. Si on trouve quoi que ce soit, on en réfère direct à Dawes. Si on saisit la police des polices, Dawes réglera le problème. Tu lui fais confiance? Ouais. Si Stoddart tombe, ça ne profitera à personne. Stoddart est véreux, tu le sais aussi bien que moi. Je vais monter la garde. Et toi, vas-y. Trouve-nous des preuves pour le faire tomber. Volontiers. Let's go! On est tous ensemble contre, du coup, le flic ripou. Ouais, ça me paraît trop beau pour être vrai d'un coup. Je vais faire le tour du bâtiment, peut-être fouiller les poubelles. Ouais, je vais fouiller les poubelles. Mais reste en contact. Bon, en tout cas, les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes contents de cette série. Stoddart a des potes dans le service. J'en suis très content. Probablement. Les ripoux se serrent les coudes. Espérons qu'ils n'ont pas trouvé de preuves. Les ripoux se serrent les coudes. Ça me surprendrait pas.
Si Stoddard était stupide, il aurait déjà fini en tôle. Putain, ça vibre, il est où le machin? Bon, en tout cas, on notera quand même l'éphéméride du début d'épisode. C'est fait tellement bien là, le précédemment. On dirait vraiment une série Netflix et vraiment sous-côté. Battlefield Hardline, sous-côté, je vous le dis. Sous-côté, sous-quota. Voilà. Très bien. On pourra voir l'épreuve plus tard également. Bonjour. Est-ce que j'ai tout eu là hein? Parce qu'il y a quand même une dizaine d'indices à trouver. Ça me paraît pas trop mal. Ok, là on peut pas sortir. Eh ben on va monter. Oh, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Toujours en partenariat avec Eneba, les amis, je le rappelle, profitez-en. 5€ l'abonnement Xbox Game Pass Ultimate. Petite parenthèse, parce que j'ai eu la surprise entre guillemets ce matin, je préfère vous le dire tout de suite pour ceux qui comptent prendre l'abonnement, faites attention. De toute façon, vous allez recevoir un mail par derrière. Mais en gros, quand vous allez souscrire l'abonnement entre guillemets, donc vous faites les 5€ sur Eneba, vous rentrez le code sur le Xbox Game Pass, quoi. Et vous avez votre mois. Sauf que du coup, vous recevrez un mail pour dire que l'abonnement sera renouvelé à 15€ le mois d'après. Donc ce que vous faites, tout simplement, à la fin du mois, vous annulez l'abonnement, si vous ne voulez pas le payer à 15€ évidemment, vous annulez l'abonnement à la fin du mois et puis vous reprenez sur Eneba le mois suivant, eh bien pour 5€ le Game Pass, voilà, faites attention à ça quand même, mais du coup voilà, au moins c'est carré, vous avez le contrôle. Bonjour, mais là il y a forcément des trucs, là c'est pas possible, il y a forcément des trucs, il y a que dalle. Oh, c'est une scène de crime bien sûr, évidemment. M'étonne qu'il y a rien là. Fous de ma gueule? Bah. On se fout de moi? Ah! Alors, on ne dira rien, hein. C'est un jeu de 2015. D'ailleurs, c'est vraiment un jeu de 2015. J'ai refait ma recherche sur internet, j'ai trouvé ça fou. Je croyais que c'était plus vieux que ça. Vraiment, je voyais ça quand même plus vieux que ça. J'avais 15 ans, moi je croyais que j'étais quand même plus jeune quand j'avais joué à ce jeu. Incroyable en tout cas. Comme quoi à 15 ans je comprenais pas tout non plus quoi. Ok. Ici il y a forcément quelque chose également. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ce truc? Une honte sonore. Peluche Tamu Tamu. Ok. Bizarrement Nel, c'était la voix de doublage de Tamu Tamu. J'ai même pas envie de savoir ce que c'est que ce truc. Flippant. D'accord, ok, super. Très stylé. Très stylé. Ok, la porte on peut pas l'ouvrir. Par ici on peut monter. Avant de monter, est-ce qu'il y a quelque chose ici? Non, il y a rien. Et bien, ce fut une belle scène de bataille par ici. Ok. Quelqu'un l'a déplacé. Des empreintes. Oh. Je reconnais ça, hein, c'est du Meusper. Ah. Carte de visite de l'Elmore Plaza. Stéphane Plaza. Ok, bah je pense qu'il faut que j'aille là. Pas du tout, qu'est-ce que je dois faire? Ah bah putain, mais je suis débile. Oh là là, c'est logique. Hop. Évidemment, on va avoir un trésor derrière. Encore mieux. Saisir le code. 5, 7, 9, 8. C'est pas ça. T'es pas malin quand même. Hein. Attends. 5, 7, 9, 8. Bah si tu recommences le même code qu'avant, ça peut pas marcher non plus, hein. Bon, vous inquiétez pas. Okay. Je suis sûr qu'on va voir les traces. Je peux décrypter ce code. Voilà. 1, 4, 5, 8. Enfin après, on sait pas dans quel sens c'est, mon ami. Hein. Mais bon. 4, 5, 8. Eh ben voilà. Eh bien. L'assurance de Rémy Nelt, première prise, vendredi 14 août au soir. Je vais voir Stoddard. Maintenant, il faut trouver des conditions de collaboration qui nous conviennent à tous les deux. À mon avis, c'est fait. Stoddard, je te tiens. Un vrai salaud quand même, Stoddard, ouais, parce qu'il a quand même tué son collaborateur. Je descends. Eh oui. Ok, moi je suis en bas dans le conteneur de fret. C'est qui Fred? C'est... Excellent, j'adore rire, j'adore l'humour. Allez, on y va. C'est bon, sensation. Quel salaud Stoddard, je vais le faire tomber, je vous jure. Je vous jure, je vais le faire tomber ce mec. Oh là là, il a tué tellement d'innocents en plus. Enfin, d'innocents, non, je me comprends du coup. C'est pas des innocents, je suis con. Allez.
Ça va partir en cacahuète, je sors la pédonante, hein. Je la sens venir gros comme une montagne. Pourquoi la porte s'est fermée? Elle était ouverte là il y a 2 secondes. Non? Ok, bah je vais descendre alors. Je vais descendre. Par ici. Non. Ah oui. T'as trouvé? Nels et Stoddard, les grandes confessions. Maintenant on a du concret pour les affaires internes. Rémy stockait son cache quelque part. Je parie que Stoddard est aussi à sa recherche. Regarde là. C'est quoi ce truc? Je préfère pas savoir, c'est pas mon domaine. D'après Internet, le seul endroit à Miami à vendre ces trucs, c'est Domo Roboto, à Palm Court, le centre commercial. Il aurait pas caché son fric là. Non, c'est pourquoi j'ai chopé l'adresse de l'entrepôt. Ah, ça mérite une petite virée. Mmh. Quel boss. Elle, c'est vraiment l'expert Miami, hein, à l'état pur, hein, clairement. Les experts Miami. Bon bah c'est plutôt pas mal. Très belle voiture, évidemment. Tu veux mon avis? Évite l'entrée principale. Ok, je retiens. On va prendre l'entrée principale du coup, hein. Si jamais Stoddard sort sans moi, attends-toi au pire. D'accord, comme d'hab, quoi. Comme d'hab. Mais sérieux, mais les gens, ils me prennent vraiment pour une merde. Je peux signaler un van suspect. Je le suis, d'accord? Hein? Ouais, d'accord. Par contre, c'est bugué, là. C'est pas le moment de se taper un cyclone. Mais pourquoi c'est bugué là? Ah ça c'est dommage. Bon, on a un gars là-haut, on a un gars là. On a un bon gars là. Par contre on a une alarme. Et il y a un gars derrière. Et l'alarme. Je vois 2 bâtiments. Ça va pas être terrible. Fais de garde. Rappelle-toi ce qu'a dit Dose, Mendoza. T'emmerdes pas à leur lire l'endroit. Ok. Bah on va y aller, hein, je pense que. Attendez, est-ce que, peut-être, sait-on jamais, est-ce qu'on peut mettre un silencieux maintenant sur une arme accessoire? Je ne peux pas. Canon standard. Ok, et là... Putain, j'ai pas débloqué de silencieux, Jean. Genre, j'ai pas de silencieux. Par contre, j'ai le droit à un petit viseur à coque. Ça peut être pas mal. Bon, sur une pédonante, pas terrible en vrai, hein. Pas terrible. Sinon, il n'y a pas de... un sniper, quelque chose comme ça. Non, j'en demande beaucoup quand même, hein. J'en demande beaucoup. La tyrolienne, tiens, elle va m'aider. Bon, mince. Et regardez comment on va faire. Peut-être pas la meilleure idée que je viens d'avoir, mais... Ah non, mais ça marche pas. Ah si. Comment je fais? Ouais. Voilà, comme ça je me fais bien cramer. Oh putain. Oh, j'ai pas été très malin. Faut pas rentrer... Faut pas aller à l'entrée principale. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Ça a l'air fermé. Passe par le toit. Passe par le toit. Ouais, bonne idée. Bah voilà. Je vais passer par derrière. C'est une bonne idée ça de passer par derrière, non? Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Bah il y a une échelle là. Allez go. On y va. Vraiment dommage les bugs graphiques par contre. Ça nous a pas fait ça sur les 2 premiers épisodes. Donc j'espère que ça va aller. Je ferai une pause, ouais bon, je ferai une pause après, vous inquiétez pas pour trouver la solution, je l'espère. Qu'avons-nous là? C'est fermé. Attends, je vais peut-être sortir mon bigot. Bigot d'agneau. Non, c'est bon. Allez, hein. Là, j'ai eu chaud. Oh, Kiki, mais comme il est tout seul. Allez. On bouge plus. Voilà. Je suis dans une usine à tortilla. Ça a l'air clean. Ça me fait toujours peur quand okay, il crie. Fouille l'autre bâtiment. Ouais, je n'y manquerai pas. Pourquoi? Mais pourquoi ça fait ça? Vous avez vu? C'est des fois y a, des fois y a pas. Tiens, il y a plus de bugs là, ça y est. Bon, je sais pas d'où ça vient ces bugs. Hein. Fouille l'autre bâtiment. Ah, ça y est, ça rebug. C'est génial. C'est génial. Et regardez, plus tu regardes. Oh, c'est impressionnant. C'est impressionnant. J'ai rien touché dans les options. Allez, de retour, les amis. Après un reboot total du PC, un plantage et puis surtout une mise à jour de la carte graphique. Eh bien, on est reparti. On va juste remonter l'échelle comme on l'a fait il y a 2 minutes. 1 minute pour vous.
Pour moi, c'était il y a 10-15 minutes. C'était un petit peu long, j'ai eu un petit peu peur, j'ai serré les fesses. Mais regardez, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de carré noir. Je l'espère que ça va rester ainsi, mais pour le moment, ça a l'air d'être plutôt bien parti. Et graphiquement parlant, ça n'a rien changé. Alors, on va juste faire gaffe parce que là, on sait qu'il y a un mec qui nous attend. Enfin, qui nous attend sans savoir qu'on est là. Voilà, heureusement que c'est bien scripté. Regardez, il vient toujours au même endroit. 3, 2, 1, police de New York. De New York, Miami, pardon. Je vois deux bâtiments. Hop. Bon, enfin, Miami, New York, c'est pas loin. Hein. Ouais, je vais pas leur lire l'endroit. Alors, on en était là, les amis. Oh, regardez, il y a du shit. Mais ils font quand même du gâchis. Ils mettent de la farine ici, mais pourquoi donc? Bah écoutez, on va passer par là. J'imagine qu'il faut faire ça. Je pense qu'il y a plusieurs façons de faire. Moi j'aimerais bien casser l'alarme. Lui je dois l'arrêter. C'est qui? T'es qui toi? Attends, il me faut la reconnaissance faciale. Hop. Evans Philippe. Incendie criminel, ok. Ah ouais, il rigole pas le Boog. Ouh, comme c'est bizarre. Bon bah je pense qu'il faut que je descende. En fait j'ai peur de voir plein de gens réapparaître comme eux là, tu vois, je les avais pas vus eux. Et j'ai peur de me faire surprendre. Pour le coup. Bon, les deux là, si je les appréhende, ça se passe. Normalement. Si j'appréhende les deux, ça se passe bien. Ok, vous êtes prêts? Ça va partir en cacahuète cette histoire. Allez, ça bouge plus. Mais on est en arrestation. C'est quoi ce bordel? Ok, on se calme, d'accord? Bougez pas, bougez pas. J'ai les mains en l'air. Bougez pas. Ça va bien se passer. Et de 1. Et de 2. Allez. Ça dégage la racaille. Ok. Lui, je dois le menotter à tout prix. Par contre, j'ai une alarme juste à côté. Ce qui tombe, autant vous le dire, super bien. Ah non, il est là-bas l'alarme. J'ai trop le seum. Ok, j'en ai deux. Oh putain. Alors attends, on va faire ça comme ça, regardez bien. On va la jouer comme ça. Voilà. Oh, ça c'est bien joué de ma part. Police, plus un geste. Ok, on se... Ça c'est bien joué de ma part. Je parle plus. J'ai la salive en feu. Ne bouge plus. Je suis dans une usine à tortillard. C'est bon. C'est quoi ce bordel? Ça a l'air clean. Allez, c'est bon pour moi. Ok, fouille l'autre bâtiment. Ce fumier est à terre. Ça a l'air fermé. Envoyez le fourgon. Viens voir le toit. Attends l'alarme. Bonne idée. Voilà. Pourquoi j'ai un point jaune là? Ah, c'est parce qu'ils ont entendu du bruit. Visez un peu là-bas. Oh non. Oh non. Attends. T'es en état d'arrestation. Chut. Espèce de fils de pute. Tout doux. Tout doux. Bon, je suis mort. Allez. Allez. Je suis mort. Oh, je suis mort de ouf. Oh, je suis mort dans le film. Je suis mort dans le film. Ah, je suis foutu. Je suis foutu. Allez. Coûte que coûte. Comment il a fait pour monter? Par là. Allez, on y va, messieurs, dames, bonjour. Je dois pouvoir entrer par là. C'est bon. Allez, on fait le ménage. On ouvre la porte. On aura trouvé Stoddard, laisse-le parler. Pied de biche. Peut-être qu'il dira un truc qui l'incriminera. Messieurs, votre weed, je m'en branle. D'ici 2 ans, ce sera devenu légal, de toute façon. Moi, il y a un seul truc que je veux savoir. Où est le fric de Nelt? Ce fric, il nous l'avait promis, tête de nœud. Ouais, ok. À compter d'hier, je suis le nouveau boss. Vous comprenez ce que ça implique? Imagine que tu bosses sur une enquête et t'as un connard qui s'amène en te raflant tout le mérite. Tu dirais quoi? Je dirais... On peut en parler. Hmm? Alors, qu'est-ce qu'on attend? On y va? Quel salopard, mais quel salopard. En plus, en uniforme de police, le mec. Il a emmené plusieurs hommes en bas. Il a peur de rien. Il a peur de rien.
Limite, j'ai envie de collaborer avec les trafiquants là. Hein. Vraiment, hein. Nouvel indice, un DVD de Tamu Tamu. Ok. Ça a l'air très important ce Tamu Tamu. Hein. Allez. Wesh. Ah ouais. C'est flippant. Flippant. Allez. James Mason ne ressemble même pas à Ingo. C'est ce qu'on a pas arrêté de lui. On va essayer de se la faire. Enfin, moi, j'aimais bien. Police, halt ! Voilà. C'est quoi ce bordel ? Tais-toi. Arrêtez de crier. Vous faites trop de bruit, les enfants. Hop, et de 1. Et de 2. Ok. Next. Police, stop ! Descends. Tout de suite. Il faut que tu suives Stoddard. Ok. Hop. Je me chie dessus, hein. Faut le savoir. Oh purée, genre il m'a pas vu. Heureusement ils sont aveugles, hein. Heureusement. Oh putain. Heureusement ils sont aveugles. Comment je vais faire là? Je sais. Là il me verra pas normalement. Voilà, ils sont tellement cons. Par ici. Et là je vais faire venir le gars ici. Attendez, bougez pas. Hop. Voilà. Heureusement il n'y en a qu'un seul qui entend. Voilà, c'est quoi? Viens ici même. Voilà. C'est comme ça que ça marche, une infiltration réussie. Hop. Et voilà le travail. Et voilà le travail. Petit tutoriel hein, pour les futurs gendarmes. Je vous montre. Oh, merde. Ça. Ça c'est couillon. Ça c'est couillon. Ne crie pas. C'est pas bon. Stop ! Garde les mains en l'air ! Ouais. Alors là. Digne d'un film hollywoodien là. Hein. Là. Oh purée. Chaud kiki. Allez, il en reste plus que deux. Alors. Il va venir là lui. Qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Hey, par ici ! Tais-toi ! Arrête de crier sur tous les toits. Police! Stop! Les mains en l'air! Ok. Ouais, pas de problème. On fait ça bien, les amis. On a 4 individus d'ailleurs à arrêter. On en a arrêté un seul. Bon, bah police, toi. Les mains en l'air! Bien en vue! Ça dégage la racaille okay. Également. Okay. Avec ce petit truc Miss France en mode munition. Voilà! Allez! On se barre. J'étais même pas obligé de tous les arrêter à tous les coups. C'est par ici, je pense. Hop, le pied de biche. Tac. Et on tire. Allez. Bref. Un petit effort quand même, voilà. Bien sûr. Ah, on a des petites palettes. Superbe. Ok, c'est pas fini les embrouilles. On pourrait y aller en mode bourrin. Mais moi j'aime bien ne pas y aller en mode bourrin. En vrai c'est stylé, c'est excitant. Et si on foire, bah, on peut y aller en mode bourrin. Arrête-toi tout de suite. Ok. Voilà. En plus on a accès aux caméras de surveillance. Let's go. Pas mal. Ok. Merde. Alors voilà. Une serre. Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a? Et voilà Stoddard. Très bien. Et du coup, qu'est-ce que ça change pour nous? On va le fumer? Oh merde. Ah oui. Elle est belle la serre. Lisa, c'est des belles pousses que tu nous fais là. Et toi Suzanne, regarde-toi. Une vraie beauté. J'avais envie de changer de méthode. Je trouvais ça stylé. En vrai, c'est sympa non? De toute façon il était armé. Est-ce que je peux changer la Mac 10? Ah oui, contre le pistolet. Ah mais il a pas de mun. Oh bah ça vaut pas le coup. Je reprends mon petit gun. Hop, voilà, on change de méthode. On arrête la méthode douce. Hop, voilà. C'est mon petit plaisir. À un moment donné, menotter les gens, ça va 2 minutes. Hein. Par contre. Toi. Bouge pas de là. Voilà. Allez.
Je suis encore gentil avec toi. Est-ce qu'on peut se servir en plantes là? Peut-être pas mal en vrai. Les petites plantes aromatiques. Je trouve que ce serait pas mal de passer un peu de musique. C'est vrai. Mets un peu de musique, ouais, ça peut être pas mal. Et oui, les plantes aiment la musique classique, comme les chats. À skip 1. Alors lui, c'est pareil, on va changer la méthode. Hein. Hop. J'adore. Je suis même pas obligé d'arrêter tout le monde, là, en vrai, non. Je vais les laisser. Je vais les laisser. Les flics graissent la patte des fédéraux, on transfère la cam, les flics récupèrent le cash. Arrête-toi tout de suite. Tous les deux, les gars. Je commence par toi. Ok. Il a l'air plus flippant lui quand même. Je suis à sec. Comment ça t'es à sec? Hop. Voilà. Allez. On va aller voir le collègue, le rouilla, le frérot de la Vega. Qu'est-ce qu'il nous fait? Je ne sais pas. Mais on va vite le savoir. Stoddart. Oh. Salaud. Pour une coïncidence. Trop de bol, ouais. Pose ton arme. Laisse-moi juste s'engager. Tu vas la lâcher, putain. Nick, on peut en parler, tu sais. Nick, je file le train, c'est fumier dans le camion. Négatif. Surtout, n'attaque pas. Essaie Nick. De découvrir où ils vont. Nick. Merde, c'était quoi ça? Rien. Rien de grave, t'inquiète. Allez, tu ne pourras pas m'arrêter, ils sont crèves tous les deux. Allez, Mendoza. Allez, genre on fait équipe avec ce fumier. Allez. Horrible. Allez, go, go, go. À travers les flammes. À travers les flammes. C'est une nouvelle musique que je viens d'inventer. Eh, crève dans les flammes, toi. C'est tout ce que tu mérites. Sale racaille. Allez, go, go, go. Hop, toutes tes balles à côté, ça régale. Allez, go, go, go. Mais attends, il faut que je te surveille quand même. Hein. Ouvrir le scanner. Et putain, il y a quelque chose à récupérer, là. Ah, j'ai failli passer à côté. Go, 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 go. Au feu, le Tounfou. Le Tounfou arrive. Nick, par ici. Ok, je te suis. Tu connais mieux de façon que moi. Hein. S'échapper jusqu'à la voiture, ça marche. On va avoir, à mon avis, un petit accueil, si tu veux mon avis. Et bonjour. Même pas. Oh là 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 là, pourquoi faire équipe avec ça? En plus, on le sait dans le prologue que même équipe avec lui, c'était pas terrible. Le magasin est plutôt loin dans le centre commercial. Ok. Alors on va la chercher. En général, Nels se postait quelques hommes dans le centre au cas où les choses tourneraient mal. Ok. Sans compter les types que Kai poursuivait et tout ce qui se passe en ce moment. Ok. Ça n'a pas été simple. Ouais, ouais, j'ai. C'est mon équipière. Ah ouais? Ça, c'était mon boulot avant. Je suis sûr que tu aurais fait la même chose pour moi. Alors on y va! Ok, j'ai le frérot à me noter ici. Parfait. Ah, il pleut torrent, hein! Il pleut torrent. Bon, lui, il faut absolument qu'on l'arrête, hein. Oh, bonjour monsieur! Alors la pluie va pouvoir nous aider quand même à nous camoufler. Oh là! Oh là. Alors ça c'est vraiment pas nice. Alors là on est dans un bourbier. Oh le bourbier. Par là. C'était quoi ça? Ok. Non. Voilà. Regarde là où il faut, salaud. Ok. Ok, on va passer par là, je me chie dessus. Hein. Évidemment, je me chie dessus. On va commencer. Pardon. Attends, il se passe un truc. Impossible.
Impossible. Attends. Alors toi, t'as voulu foutre en l'air tout ma mission. Ça dégage. T'as voulu tout faire capoute. Moi je te cappuccino. Mais non, c'est pas vrai. Ne dis rien. Bouge plus, police. Ne dis rien. J'ai que dalle. Hop. Reste au sol, garde le silence. Tout ce que tu peux dire peut être retenu contre toi. J'ai une alarme à désactiver ici, j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance. Alors, lui je dois l'arrêter, je ne sais pas pour quelle raison. Mais on va le faire. On a perdu un homme. Bouge plus, police. Voilà, on fait ça proprement. Parfait. Bon, j'ai pas vu pourquoi il avait un mandat d'arrêt, on s'en balèque. Maintenant on peut y aller. Oh là là. Attendez, on va essayer de faire ça bien. On va essayer de faire ça bien. Ah mais il vient sur moi le salaud. Attendez, je vais sortir ma matraque. Ça y est, ils sont en alerte. Ok, j'attends là. Regardez. Hop. Paris. Hop. Et voilà le travail. Bon, je pensais que ce serait un petit peu plus stylé, malheureusement non. Hop. Okay, voilà. On va chercher ta collègue. Oui, ma collègue. Et ensuite, je te coffre. Voilà. Ça va pas se passer comme prévu à mon avis hein. Le couteau dans le dos, je le sens venir gros comme une montagne. Allez, un petit effort. Et ça le fait. Impeccable monsieur. Trouver Kai. T'inquiète, je vais trouver Kai. C'est bon. Tu plaisantais pas quand tu disais qu'ils seraient nombreux. Ah. 1, 2, 3. Donner du boulot à la main d'œuvre locale. Ça fait beaucoup, c'est vrai. Alors moi, ce que je suggère, c'est que cette arme, vous avez vu, je l'utilise vraiment pas. Mais alors vraiment pas. Autant prendre un truc comme ça. Bah, j'ai pas le choix. Mac 10. Voilà, petite viseur. Pas d'accessoire. Oh, compensateur. Un meilleur contrôle, mais une moins bonne précision. Et là, on a un oh, silencieux. Ok. Allez, ça part pour le silencieux. Hein. J'ai un silencieux aussi pour la pénonante. Tiens. Je le mets quand même. Je le mets quand même. Allez. Et puis du coup, voilà. Masque à gaz. Et c'est quoi ça, mine laser? Une mine qui explose lorsque le faisceau laser est rompu. Oh, je vais me foirer tout seul avec ça moi. C'est pas la peine. Bon, on va garder le grappin. Ouh. Ça régale. Ok, j'ai un troisième mec à coffrer là-bas. Allez, on y va. Guy. Kai, je t'entends ah. À peine. Kai, pauvre Kai. Bon, on pourrait y aller en mode bourrin en vrai. Ça dépend s'il y a des alarmes ou pas. Mais je pense pas qu'il y ait d'alarme dans le centre commercial. Ouais, y a pas l'air d'avoir d'alarme. Mais lui, il faut que je le coffre aussi. Et ça, c'est chiant. Du coup, si je le bute au silencieux. Voilà. Pourquoi se casser le cul? On peut passer par là? Oh. Ça c'est chouette. Ça c'est un open world. Oh non. Ok, c'est bon. Ok. Moi il faut que je coffre mon frérot hein. C'est super important. Ok, oh. Je termine ce bloc. Il y a beaucoup trop de monde. Il est juste en dessous lui là. Ok. En vrai, je peux tenter un truc. Je peux tenter un truc à la James Bond en vrai, non? C'est quoi ça? Oh, genre ils m'entendent. Abuse pas, hein. Ah, lui, il va monter, non? Même pas. Bon, je vais descendre, de toute façon. Il se passe un truc. Il faut arrêter la coke, hein. Hop. Qu'est-ce qui lui arrive, lui? Que dalle. Bien sûr, il y a que dalle, vous fumez tous. Vous fumez tous, messieurs. Alors attends, parce que là, j'aurais voulu lui mettre une balle. Bah. Il est con. Il a même pas vu. Il a même pas vu lui. Oh, j'adore.
J'adore ce jeu. Ok. J'ai moyen de... J'ai moyen. Oh putain. Non non, tu me vois pas, c'est faux. Complètement faux. Oh. Il va me faire Il va me faire chier hein. Oh, il va me faire chier, je vais pas être bien là. Ouah, il m'a fait peur lui. Attendez, je vais coffrer lui parce que je sens qu'il va nous prendre à revers. C'est très stratégique. Et regardez, je me rapproche. Par contre, j'ai un autre gars apparemment. Ah, il est en haut. Parfait ça. Eh. Viens voir. Ok, c'est pas le bon que j'ai eu, je crois. J'ai pas eu la bonne cible. Chier. Ok, c'est bon, j'ai. C'est bon. Rapproche-toi. Et maintenant. Parfait. Eh, regardez-moi ça, les amis. Trop facile de manipuler les gens. Police, fais un geste. Fais que traîner. Allez, propre. Doucement, mec. Propre. Propre. Voilà. T'as vraiment une tête de mafieux, toi. Maintenant, je peux y aller comme je veux. Oh. Trop le sub. Bon, c'est passé. C'est passé. C'est passé crème. Faut que j'aille là-bas. En haut, en bas, je ne sais pas. Je vais quand même monter dans le doute. Allô. Alors, par contre, là, ils vont me faire chier. Hop. Eh, le silencieux, c'est magnifique. Le silencieux, c'est magnifique. Faut aller où, là? Qu'est-ce qu'il y a, quoi? En bas. Ah, faut que j'aille en bas? Ah, mais j'ai tout faux depuis tout à l'heure. Bon, allez, on y va. Hop. Ah, oui. Bon, j'ai pas été très malin, là. Ok. C'est par ici la sortie, on a coffré notre troisième mec en plus, donc c'est vraiment le bonus. Je crois qu'il y a encore un gars à coffrer, on le trouvera certainement après parce que je pense pas être passé à côté vu que j'ai pas tué grand monde en vrai de vrai. Donc j'ai vraiment fait ça proprement. Wesh. C'est un film d'horreur le truc là. Bon. Qu'est-ce qu'on a là? Nick, comment on... Ah. C'est la boutique de Nels. Ma caille. Elle est dans un guet-apens. Ça manque pas de clients. Excellent. Bon, on y va bourrin là. On y va bourrin. Caille, elle a besoin d'aide. Qu'est-ce qu'il a mon téléphone? Il a chopé une info? Oh non, ma caille. Ok, j'ai compris. J'arrive, j'arrive. Je t'ai pas attendu pour le faire. Allez. Kai. J'arrive, Kai. T'énerve pas, ma Kai. Sinon, on va te faire ensevelir. Kai. Kai. Hé. Hey. Hé, hey, ça va. Pourquoi ça irait pas? Dose est en chemin. On est censé le retrouver dans la cour. Bien. Alors on embarque, Stoddard. Oh. Il y a encore des hommes de Nels dans le coin. On risque d'avoir besoin de lui pour s'en tirer. T'entends ça, Nick? On a besoin de moi. Oh l'enfer. Oh le cauchemar. On dirait que Kai, elle le défend quand même bien. Elle le défend quand même bien. J'arrive, j'arrive. Il s'est pris pour qui, lui? Il s'est pris pour un flic? Allez, go, go, go. Prends pas trop l'habitude. Dès qu'on sera sorti d'ici, on t'emmène direct à la police. Ouais, police. On va te coffrer, mec. Sale collabo, va. Ok, il y a du people. Alors, bourrin ou furtif? Alors. C'est. Mais c'est un truc de malade.
Ah bah voilà. Même eux ils ont peur. Oh les nulos. Bon allez, on y va en mode bourrin là, rien à péter. Oh non, j'ai le mec à coffrer ici. J'ai le dernier à coffrer ici. Appelle la camionnette et dis-leur de venir nous chercher. T'énerve pas. Lui il faut que je le coffre. C'est le dernier à coffrer et après je peux faire le bourrin. Allez. Allez, ça devrait être assez simple. Police, stop tout de suite. Voilà. Let's go. On a réussi toute la mission secondaire. On a peut-être pas tous les indices par contre. Oh mais c'est qu'il y a du people. Bon, on se la fait en mode bourrin. Hein? Allez. C'est quoi ce bordel? Hey, c'est quoi ça? J'ai entendu quelque chose par ici. En plus, ils ont même pas vu d'où je venais. Excellent! Hey, James Bond! C'est moi! Allez, go, 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 go! Go, 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 le point de rendez-vous! Go, go, Power Rangers! Oh, ça sent pas bon ça! Oh là! Wow! Attention! Oh non! Non mais les gars, c'est la folie là. C'est la folie dans cet hôtel. Enfin dans ce centre commercial. Wesh. Oh non, oh non. Mais purée, mais non. Mais comment c'est possible de mourir si nul? Oh je suis déçu. J'ai fait ça tout bien jusqu'ici. Oh non, oh je suis navré. Et le pire c'est que je le savais qu'on pouvait mourir, ça se voyait, j'ai fait gaffe et tout. Regarde, tu vois le pneu là, hop. Esquive de la loutre. Voilà. Bon, à droite, mauvaise idée. On va aller à gauche. Voilà. C'est par ici. Let's go. Rejoindre Dawes, objectif atteint. Retour d'un temps... Ah non, toujours aussi catastrophique le temps. Cataclysmique. Ouragantesque. Bien évidemment. Il est trempé, il a l'air très fâché notre personnage là. Chose que je peux comprendre. Ah oui, forcément. Voilà. Sergent Carl Stoddard, vous avez le droit pour une fois dans votre vie de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être et sera utilisé même contre ça, le tribunal. Ça suffit. Tout ce que vous devez savoir se trouve là-dessus, capitaine. Laisse-moi deviner, la guerre de la drogue, c'est sa faute. Et il a encouragé un gang à en buter un autre jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Excepté le sien. J'ai des preuves à l'appel qui relient Neltz à un inspecteur Ripou de Miami, mais ça reste flou. Je comptais beaucoup sur vous pour trouver la dernière pièce du puzzle, et vous l'avez fait. Merci. C'est quoi ce bordel ? Hé, Nick. Tu sais, je tiens à te remercier de m'avoir sauvé la peau. C'est du beau boulot. Va te faire foutre. Nick, non. Kai. La police des polices trouvera une liasse de billets dans votre appartement. $33,000 pour être exact. Précisément la somme que Nels avait retirée. Donc, la question est de savoir ce que vous avez fait du reste de l'argent, inspecteur. Mais qu'est-ce que vous foutez? Kai a été au charbon pour vous. Plus d'une fois. Pourquoi t'as pas pris ce putain de pognon? C'est de ça qu'il s'agit, alors? On aura essayé, Nick. J'étais certain de te trouver une place parmi nous. Maintenant, tu préfères jouer au preux chevalier, toi. Pas vrai? Tu te berces d'illusions, fiston. J'ai trop le seum. C'est marrant, j'avais déjà terminé le précédent épisode en disant que j'ai trop le seum, mais alors là mon poteau. Bon,
On a arrêté tous les sujets. Voilà, allez. Je vous l'avais dit que Kai c'était une traître, hein. Alors voilà. Et puis alors notre boss, n'en parlons pas. Ascenseur émotionnel durant cet épisode, puisque notre boss je l'aimais bien finalement, et puis finalement non. Allez, hein, tous contre moi, j'ai bien compris les amis, je suis dégoûté, ce monde de Ripou n'est pas fait pour moi, ce n'est pas le monde des bisounours comme on dit. Hein. Les amis, j'espère que vous avez kiffé cet épisode plein de rebondissements, sachez que ça va continuer comme ça par la suite et ça va être absolument terrible. On va finir en prison, vous l'aurez compris, ça c'est clair et net. Je sais pas pourquoi une telle, voilà, pourquoi on force sur moi, mais c'est comme ça. Voilà, je suis le dindon de la farce et je compte sur vous pour m'encourager avec le petit pouce bleu et le commentaire qui fait plaisir. À très vite, les amis. C'était Mkolo, plein de bisous. Ciao tout le monde.